Winslow Stanton. Donc là, retour à monstre, frisson et magie. Vous avez raté juste un petit passage, je suis désolé. Ouais. Juste quand je coupe, évidemment, ça reprend, putain. Vous avez rien raté, on les voit juste revenir, là. Combat tous les monstres et découvre ce qui est arrivé à Jed. Donc là, on est de retour. Au moins, vous avez pas raté le dialogue. Donc là, on peut sortir. Oui, parce qu'il y a un hub. Ouais, on peut y revenir, mais on le verra une fois que j'aurai fini le jeu. Ben voilà. Donc là, il y a tout le monde ici. Tu l'as dit, Bouffy. Yeah. Ils ont pas pensé à refaire la déco quand même, hein. Des gros feignants. Les mecs, ça fait plus d'une semaine qu'on est parti et ils ont pas fait la déco, ça a pas changé. Donc cette fois-ci, comme elle le dit, il y aura des monstres. Il y aura pas que les rats et les araignées. Oh. Oh. Merci. Donc on ne trouvera pas d'autres indices, je vous l'ai dit, de toute façon on les a tous trouvés dans ce jeu. Ouais. Bon bah, allez, on y va. Et là on a déjà un premier ennemi là-bas. C'est... Par contre c'est que des ennemis qu'on a déjà croisés dans le jeu, hein, évidemment. Donc là on a les ninjas. Ninja, fou. Ninja. Et cette fois-ci les machines fonctionnent. Eh oui, parce que précédemment, elles fonctionnaient pas, évidemment. Au moins, ils ont refait marcher les machines, c'est déjà pas mal. Allez, 20 pour le costume de Kung Fu, allez, vas-y. Ninja! Et cette fois-ci, il y a de l'eau électrique un peu partout, hein, donc c'est pas pratique. Je sais. Bon, il y a encore le clown qui rigole. Ouais, c'est vraiment plus sinistre, comme elle le dit. Hein. Bon, au moins, on connaît déjà un peu la zone, c'est déjà pas mal. Hein. On risque pas trop de se perdre. Donc là, on rappuie sur le bouton. Voilà, comme la première fois. Donc là, il y a des chevaliers noirs. Voilà, donc là on a rencontré des ninjas, des chevaliers noirs, et là des ptérodactyles. Et là vous aurez remarqué que c'était les ptérodactyles orange, ceux qu'on avait vus, souvenez-vous, dans l'autre niveau. Donc là il y a toujours le ptérodactyle géant, mais. Donc comme je dis, on les avait rencontrés durant la phase de course-poursuite dans le premier niveau du musée. Donc là on les affrontera eux-mêmes, cette fois-ci, pour la première fois. Donc cette fois-ci, je refais ma technique là pour récupérer le maximum de blobs. Parce que le blob nous sera utile. Ouais, le costume Kung Fu n'était pas obligatoire, hein, vous aurez remarqué. Donc faut faire gaffe, ceux-là, ils sont assez cool. À cracher du feu partout. Donc là encore du truc électrique, et donc... Cette fois-ci, c'est le tuyau qui est tombé, hein, donc on est obligé de passer par la deuxième façon que je vous avais montré dans le premier niveau. Hein. Je vous avais montré deux façons, ben, on pourra faire la deuxième. Donc là, il y a le chevalier, voilà. Donc là, on a pas mal de blob, de gâche. Donc vous voyez, il y a le truc qui est tombé. Donc là, faut pas tomber dans l'eau parce que sinon, toujours chien grillé. Comme dans Silent Hill 3, oui. Donc là, encore de l'eau. Hein, et... Je sais pas ce qui s'est passé, il y a une inondation ici ou quoi. Donc là, un chevalier noir et un ninja. Là. Eh oh, toi là! Mais putain! Laisse-moi en placer une!
Ah mais j'en ai marre. Le mec il m'enchaîne comme ça. Wow, laisse-moi en passer. Pour ça on a rencontré que trois types d'ennemis, vous aurez remarqué. Hein. Et donc cette fois-ci il y a les petits trucs pour empêcher qu'on puisse changer tout. Pour nous faire disparaître nos cochons. Donc là il y a les ninjas rouges maintenant. La deuxième variante. Et là, vous remarquerez que le costume a disparu, celui qu'on a vu précédemment et qui bougeait. Voilà. Mais que Vera n'avait pas voulu insister dessus. Oh. Donc voilà, voilà, hein, le mec. Voilà, ça c'est bien, donc là maintenant il y a une boîte de Scooby-Scooby là. Donc là, on va aller par là, juste pour vérifier un truc. Bon. Donc là on a appuyé sur le bouton qui nous a fait activer les plateformes qui vont nous servir à je ne sais plus quoi. Non, j'ai du mal à voir, la sortie elle est pas déjà là-bas ou quoi? À moins qu'elle soit verrouillée. Ouais elle est verrouillée. Ouais donc va falloir activer un bouton. Hein. Okay. Donc. Ah oui, faudra le prendre dans le sens inversé. Ouais. Et donc là, il y a les phases comme je les adore, voilà, où il faut se balancer. Et où, donc voilà, comme d'hab, il rate parce que c'est un gros naze. Non mais putain, il est passé juste à côté. Il aurait pu l'attraper, mais c'est chiant quand il passe au travers. Hein. Putain, mais encore une fois, putain, mais ça c'est un truc que je déteste, c'est quand il se fout de moi. Il passe au travers, le con, là. C'est pas comme s'il avait vraiment raté, là, c'est qu'il veut pas le choper. C'est pas pareil. Voilà, et là il était pas sur le truc, mais pourtant là j'ai eu peur. Ouh là, faut faire gaffe. Donc là on attend un petit peu. On attend que ça remonte. Voilà. La porte s'ouvre et on utilise cette fois-ci ce truc. Donc voilà, et maintenant on peut y aller. Et donc cette fois-ci on peut visiter cette zone avec le truc cassé là. Là-bas avec des petits animatroniques morts là. Ce qui rassure, ma foi. Et donc là avec les petits trucs construits, là il y a la groupie, ptérodactyle, voilà. Et là. Attends, et là aussi l'homme de fer. Non, et là, le gros foutage de gueule, il y a le gang complet. Pourquoi je dis le gros foutage de gueule? Putain, ils sont passés par où? Ils ont trouvé des raccourcis, ils m'ont même pas signalé. C'est des enfoirés en fait. Bon donc là on va buter tout le monde parce que là voilà. Jed! Hey cousin, do you mind blasting the rest of this too? Just as I suspected. Jed was trapped in that costume. She's right. I was framed. I discovered that Stanton was up to no good, so he trapped me in that costume to prevent me from ratting him out. I was in there the first time you came by. Jed, I'm so glad you're all right. Thanks to you, cousin. You won't get away with your life, Jed. You won't get away, period. It's Stanton. Sounds like he's in the miniature city set. Bon voilà, niveau terminé. Les niveaux. Oui, tout à fait, c'était un niveau.
Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se trouvera prochainement pour le prochain niveau. Et en attendant, bye bye.